pour qu'aujourd'hui le pape nomme Monseigneur Michel Bora. Cette nomination a été faite en simultané à Rome, là-bas, c'est midi, à Rodrigue, 15h, en même temps qu'il est ici, ce mercredi 20 décembre 2023. Et je crois que Rome a répondu, le pape a répondu, en nommant notre frère Michel. Alors Michel et moi, nous avons fait 3 ans de séminaire, de formation pour devenir prêtre. Nous nous sommes vus dans cette formation à Nantes de 2002 à 2005. Et ce que j'ai pu noter de Michel Moura, Monseigneur Moura est quelqu'un de très pratique, un homme terre à terre, qui aime la bonne cuisine et qui cuisine très bien. Ça, on a l'occasion de goûter tout ça. Il est passionné par tout ce qu'il entreprend. Passionné aussi par les débats de société. Et des fois, il s'emballe dans les réflexions tellement qu'il est passionné de ce qu'il veut nous faire comprendre. Il aime se lancer dans des projets. Il est curieux. Donc là où il est dans les paroisses où Père Monseigneur Moura a travaillé, Monseigneur Moura souvent s'est lancé dans des projets, que ce soit de paroisse, pour des projets pour la paroisse, ou bien des projets de construction. Donc, nous reconnaissons aussi cette qualité en lui. Il a cette sensibilité des îles de l'océan Indien, parce que lui-même, il a pu travailler comme postier, facteur postier à Galega, fonctionnaire. Ensuite, il a connu, il a été prêtre à un moment donné, il a servi à Galega, il a été prêtre aussi à Rodrigue. Donc, cet attachement aux différentes îles de l'océan Indien, il lui a donné d'être proche du peuple de Dieu, à qui il veut faire connaître Jésus-Christ. Je dois arriver à pied, donc cette information donc, de ma nomination en tant que vicaire apostolique pour le vicariat de Rodrigue. C'est vrai que le vicariat est en attente d'un évêque depuis 2020 et cette attente pesait sur la communauté. Le père Lucrenet, qui a bien évidemment accepté de conduire ce peuple en succédant à Père Labo, qui a assuré un intérim de 3 mois. Père Lucrenet a été très patient, très zélé, avec une grande générosité pour accomplir cette mission. Et aujourd'hui, donc, s'achève sa mission avec cette nomination. Bien sûr, toutes mes pensées vont à mes frères et sœurs André, parce que normalement, voilà, ça aurait été tellement plus sympathique pour eux que je sois sur place. Les réalités font que je suis ici, mais dès demain, je ferai ce rapide à André pour un jour, pour rencontrer les forces vives de André et aussi les autorités civiles. Et pour la suite, poursuivre mon chemin ici, parce que nous sommes à la veille des fêtes qui sont très importantes pour nous, à la fête de Noël et puis les fêtes autour de la fin de l'année. Donc, pour moi, je n'accueille pas cette nouvelle de la nomination comme une espèce de récompense ou alors un achievement personnel. Je suis dans la joie, c'est vrai, mais ma joie, elle est surtout pour ce peuple délégué qui a longtemps attendu, qui désirait qu'il y ait un pasteur qui avance avec lui de manière paisible et de manière durable dans son chemin. Maintenant, pour être honneur, il faut les trottes installées, peut-être la chance pour les tout effectivement, il y aura une ordination prévue pour l'année prochaine, mais vous comprenez que puisque je suis appelé, je suis nommé pour le vicariat apostolique de Rodrigue. Demain, je serai à Rodrigue et je réserve quand même la primeur de la date de l'ordination à nos frères et sœurs renommés par déférence. Tout simplement parce que je crois que je n'ai pas pu être là-bas aujourd'hui. Je crois que c'est un minimum de respect que de dire ben, je vais être évêque pour vous. Je crois par délicatesse de dire ben, c'est à vous que j'annoncerai la date de cette ordination. Vous comprenez que ce n'est pas du tout une question de secret ou quoi que ce soit, mais c'est par respect pour ce peuple endrayé que je préfère attendre demain. Donc demain, la date sera connue. Merci. Jean-Louis de Zola, quels sont
les relations et quelles seront les relations du vicariat avec le gouvernement de Tondéoré et le gouvernement général, déjà le minority leader ou encore le gouvernement. Comme le diocèse de Conduy avec les autorités mauriciennes, pour l'audition, on a toujours travaillé en longtemps. On a fait entendre le point de vue qui peut être différent de celle des autorités locales. Ben, nous pouvons entendre notre point de vue. Mais donc, ce sera, on travaillera certainement des conseils parce que ce soit les autorités civiles ou l'église à André, le seul que nous essayons le mieux que nous pouvons servir ce peuple de André. Donc c'est essentiellement parmi du service de ce peuple qu'il y aura un travail de collaboration, bien sûr, mais cela ne veut pas dire que nous devons être d'accord sur tout. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ce soit la majorité ou la minorité, pratiquement tout le monde a été à un moment ou un autre de sa vie formé par les instances de l'Église d'une manière ou d'une autre. Donc, cela ne peut que continuer. Mais l'essentiel, c'est travailler pour l'avancement de ce peuple, travailler pour que ce peuple continue à avoir un environnement, travailler pour qu'il puisse avoir un climat de paix, de quiétude et avancer dans le progrès de l'ensemble.